Bon les amis, je suis allé récupérer 3 poussins. J'ai trouvé une annonce sur le Bon Coin à 10 minutes de chez moi. Je vais vous les montrer. Devinez ce que c'est comme poussin. Donc les poussins, je vais les mettre dans ce parc mobile que j'avais à la base conçu pour notre lapine Marguerite, qu'on n'a plus à présent. Donc je vais vous le représenter rapidement pour ceux qui ne l'ont pas vu. Partie intérieure, voilà. Il a été fait en bois de palette et en bois d'OSB. Donc la porte qui est là, tranquille, pour nettoyer. Il y a une partie extérieure. Et il y a encore une porte à ce niveau-là. Donc je leur ai mis un abreuvoir. J'ai lavé ce petit pot pour le mettre à manger après. Donc les 3 petits poussins, ils sont pas mal agiles, pas mal habiles. Vraiment, voilà, attention pas qu'ils partent. Vaut mieux faire ça comme ça que les sortir un par un quoi. Tellement beau. Alors regardez, il y a un noir et blanc, un brun et blanc et un roux et blanc. Donc est-ce que vous avez deviné ce que c'est? Regardez bien le plumage un petit peu caillouté, on dit. Regardez bien les plumes au niveau des pattes. Ce sont des bâtons de Pékin. Voilà, race, je dirais, semi-naine, une forme très ronde. Je les trouve rigolos et je les trouve à la fois magnifiques. Donc j'ai décidé, comme ça sur un coup de tête, suite à une annonce que j'ai vue, de prendre des poussins bâtons de Pékin. Donc normalement, ce sont 3 femelles. Après, bon, avec la vendeuse, il est possible qu'on s'est peut-être trompé. Au pire, on aura un coq. Bon, on verra déjà ce qu'on fera avec lui. Au pire, si on a un coq, c'est pas grave du tout. Regardez, je les ai à peine posés, ils sont déjà en train de s'intéresser à leur environnement, quoi. Ils n'ont pas l'air très paniqués, hein. En fait, on s'était trompé. Dans le lot, il y a bien un coq. Regardez. Regardez, lui, il a une crête un peu plus prononcée que les autres, en fait. Et son comportement, il est un petit peu différent aussi. Et du coup, pour moi, c'est un coq. Donc, bon, c'est chouette d'avoir un coq. Après, si on fera de la repro avec les autres poules, je sais pas, parce que ça fera des poules semi-naines. Bon, ça peut être joli, quoi. Mais après, on voulait prendre un autre coq pour les autres poules. Et du coup, je sais pas trop si on va regarder lui. Le tigre, il rôde. Il est derrière la haute herbe. Il se prépare à sauter sur sa proie qu'il observe. Et ben non, pas chez nous.
Vous allez voir, et dès qu'il y a un truc qui leur fait peur, en fait, elles volent. Et vous voyez le petit coq, il est devant. Mais là, elle se régale de tous les insectes qu'elle trouve. Ma belle. Doudou, doudou, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Attention, hein. Attention, hein. Non. Non. Alors j'ai une petite anecdote à vous raconter, c'est que à la base l'ancêtre de la poule, donc la poule sauvage sur laquelle les humains ont commencé à domestiquer et à créer nos variétés connues, à la base la poule elle faisait la taille d'une poule naine. C'est-à-dire qu'en vrai les poules naines ce sont même pas des poules naines, mais les autres ce sont plutôt des poules géantes en fait. Bon, je vais attendre quelques mois encore avant de les lâcher avec les autres poules. Parce que bon, si je les mettrais maintenant dedans, elles seraient bouffées quoi. Il y a quand même une différence de taille encore. Bon, de toute manière, elles seront toujours plus petites vu que ce sont des poules naines et elles des poules taille entre guillemets normale. Mais bon, il faut quand même encore attendre pour qu'elles puissent mieux se défendre. Parce que les poules, quand vous intégrez des nouvelles poules, ben, elles se tapent dessus pendant un petit moment pour établir la hiérarchie. Et en même temps, si je les mets maintenant dedans, je crains qu'ils passent à travers le grillage encore. Vu que j'ai pas trop envie qu'ils se fassent leur déco dans le potager. Donc j'attends encore. Ouais, bon, là vous l'avez vu, j'ai pas pu vous le cacher. On a les deux petits qui sont nés il y a 2 semaines. Bon, je vais pas m'attarder sur eux parce que je vais préparer une vidéo, un vlog où ils seront dedans. Donc voilà, je spoil pas plus sur eux et vous verrez ça dans un nouveau vlog, dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. J'ai plusieurs vlogs en cours de préparation. Donc les vlogs, c'est pour moi en ce moment des vidéos où je mélange un petit peu plusieurs thèmes. Par exemple, un petit peu de construction dans la maison, un petit peu de poule, un petit peu de chèvre, un petit peu de potager. Enfin, ce que je veux en fait. La marron, elle a un plumage, il est magnifique. Donc c'est après la mue là qu'elle a eu, elle a vraiment le vert qui ressort au niveau des plumes. On voit pas trop, je sais pas trop si on le voit à travers la caméra, mais elle est magnifique. Et elles me paraissent tellement énormes ces poules par rapport aux 3 petits poussins. Enfin, c'est impressionnant quoi. Voilà, au niveau de la prise des chèvres, ben, le bouc qui s'est fait ça, c'est un chef de chantier. Lui, il s'est enlevé les planches là, lui-même. Parce que j'avais mis des petites vis et elle arrêtait pas de se frotter, au bout d'un moment elle s'enlevait. Donc je les récupère là, je vais faire à des carrés potagers avec. Puis les poules, elles adorent aussi cet endroit. Regardez. Franchement, elles n'ont pas la belle vie là. Y a ma belle. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça à manger? Y a à manger? Y a pas à manger? Y a rien? Franchement, la poule rousse, c'est la plus agressive qu'on a. Enfin, quand je dis agressive, elles sont gentilles, mais c'est la plus. Quand il y a à manger, c'est elle qui se bat le plus en fait. Et qui saute souvent en premier sur la bouffe quoi. Allez, ciao les amis, bonne soirée, bonne journée.